Mercredi 28 février de l'an 2024, le tout de l'actualité africaine, c'est maintenant dans l'Afrique en bref. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La date de la prochaine présidentielle est enfin connue au Sénégal le 2 juin 2024. C'est le jour retenu pour le premier tour du scrutin à l'issue du dialogue national convoqué par le président Macky Sall lundi 26 février et qui a duré 2 jours. Et puis l'horizon s'éclaircit aussi du côté du Tchad où le premier tour de la présidentielle devrait se tenir le 6 mai de cette année. Cette annonce a été faite hier par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bachiret, en conférence de presse. Les Tchadiens retournent aux urnes après 3 années de règne du gouvernement de transition établi suite au décès de l'ancien président, père de l'actuel chef de l'État, Idriss Déby Itno. Au Nigeria, le syndicat du travail a lancé hier mardi une grève de 48 heures à Lagos contre la cherté de vie. Nigérians, aujourd'hui, levons-nous et disons au président ce qu'il est censé entendre et ce que nous devons dire. Les Nigérians ont faim. Il y a la faim dans le pays. A martelé Ayes Sessi, président du congrès du parti du Nigeria, section de Lagos. L'économie est asphyxiée et les prix ne cessent d'augmenter sur le marché. Les manifestants appellent le gouvernement à des mesures urgentes afin d'atténuer les souffrances et ramener l'inflation à un niveau normal. Ils menacent par la même occasion de fermer, si rien n'est fait, des services clés. Madame, Monsieur, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce mercredi 28 février de l'an 2024. Retrouvez-nous à 18h pour l'actualité nationale au Bénin.